Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur notre plateau Jean-Pierre Mignard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, essayiste, homme politique français, mais on vous reçoit ce soir en tant que président de GISRE. Vous allez nous expliquer c'est quoi GISRE et le grand lancement de ce collectif et de cette organisation demain à Alger. Merci d'abord de m'avoir invité. GISRE France Tchadzaïr, c'est aussi une nouvelle technologie. C'est-à-dire que c'est une association sur le plan du droit, mais c'est d'abord un espace de travail, une convergence entre, à l'origine, des élèves ingénieurs de l'École nationale polytechnique d'Alger, qui sont d'ailleurs, parce que le temps passe, pour beaucoup devenus des ingénieurs cette année, et puis mon associé Adrien Badevant, Aghès Saïd Larbi, qui travaille avec nous et qui est très diplômé, et qui n'est pas loin d'ici, moi, et nous avons effectivement estimé qu'aujourd'hui, la question, une des grandes questions, c'était entre la France et l'Algérie, c'était la coopération dans les nouvelles technologies, la question de la révolution numérique, la question de la transition énergétique, les coopérations industrielles notamment telles qu'elles pouvaient se fabriquer avec les start-up, la nécessité de lever des fonds, et puis la nécessité des échanges sur tous les points, c'est-à-dire avoir une réflexion géopolitique, avoir une réflexion philosophique, une réflexion éthique, une réflexion juridique, pour effectivement permettre à nos deux pays de se projeter en avant à travers effectivement à la fois la révolution technologique et les grands défis. Les grands défis, et notamment la question climatique, la question des migrations. Voilà. Pourquoi ? Et nous y reviendrons. Parce que la France est majeure et l'Algérie est majeure. Alors, et donc deux pays majeurs, ils doivent effectivement se converger. Vous présentez GISRE en trois mots, laboratoire d'idées, un pont, une force. Oui. Vous comptez vraiment rapprocher les deux pays à travers ces trois idées importantes, Jean-Pierre Mignard ? Alors, les deux pays, ce serait très grandiloquent de prétendre deux pays, mais en tout cas, effectivement, faire travailler toute une catégorie de personnes, notamment en termes de génération et de projet, c'est en effet un facteur qui peut être considérable, quantité, effectivement, de personnes, de groupes, d'organismes, publics ou privés, nous rejoignent. Demain, il y aura quatre directeurs du ministère de l'Industrie de la République algérienne dans notre réunion. Les ingénieurs de la ville de Paris se sont promis de créer un partenariat avec nous dans le futur. C'est important parce qu'ils travaillent avec les ingénieurs de la ville d'Alger dans une formule de coopération et ceux de Tlemcen aussi. L'Alger va lancer un projet, a déjà commencé à lancer son projet de Smart City. Paris va être confronté à la préparation des Jeux Olympiques. C'est la pollution, ce sont les transports, l'environnement, mille choses qui concernent ces deux villes. Et pourquoi avoir choisi le facteur numérique aujourd'hui ? Vous considérez que c'est vraiment le facteur qui peut unir, qui peut aider les deux parties à avancer davantage ? Parce que c'est aussi important que la révolution industrielle l'a été à la fin du 19e siècle et durant tout le 20e. On rentre dans une nouvelle civilisation et une nouvelle société. Donc préparons-la ensemble, parce que j'y reviendrai peut-être dans les questions que vous me poserez. Pourquoi l'Algérie, pourquoi la France, et pourquoi l'Algérie et la France, pas seulement plus dans le face-à-face, mais dans le côte-à-côte, vis-à-vis du reste du monde. Vous dites construire dans l'espace euro-méditerranéen un partenariat entre la France et l'Algérie, comparable à celui entre la France et l'Allemagne, donnera confiance aux professionnels, mobilisera les sociétés et entraînera les autres États. Oui. Vous parlez du partenariat franco-algérien sur l'exemple franco-allemand, c'est bien ça ? Bah oui, bien sûr, parce que d'abord, la France et l'Allemagne unies sont le pivot de l'Europe, la garantie de son unité, dans une période très chaotique, très menaçante comme celle que l'on vit aujourd'hui. Et pour ceux qui regardent l'Afrique et l'Europe, il est évident que deux pays aussi importants que l'Algérie et la France, ensemble, sont susceptibles de constituer une capacité d'entraînement pour les deux continents et un maillon, un facteur de convergence qui est essentiel. Alors, le grand lancement de GISRE, c'est demain, à l'école MDI à Cheraga, Exactement. Alger. En quoi consiste ce lancement ? Qu'allez-vous faire demain ? D'abord, poser le cadre de cette coopération et des intervenants de très haut niveau interviendront tous, effectivement, ingénieurs, entrepreneurs, faisant valoir ce qui permet des convergences, les besoins qui sont les leurs, appeler effectivement à ce qu'on réponde à de multiples demandes. Et puis continuer dans le temps, parce qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont des feux de paille. L'important, c'est que celles-ci continuent dans le temps. C'est-à-dire que de nouvelles rencontres aient lieu, que par exemple, GISRE soit un facteur pour permettre effectivement à des jeunes ingénieurs
de répondre à des demandes qui leur sont faites, mais que par ailleurs, des entrepreneurs en France ou en Algérie soient capables de leur faire des propositions, faire des projets ensemble, faire venir aussi un certain nombre d'intellectuels français et algériens qui soient susceptibles de participer. Par exemple, un géographe comme Hakim El Karoui, ou bien encore Cynthia Fleury, qui est professeure de philosophie à l'École polytechnique, un historien comme Benjamin Stora. Où en sommes-nous? Tous ces gens-là font partie du comité scientifique de GISRE, qui est à parité franco-algérien, et je dois dire que c'est en tout cas humainement prometteur. Et Hakim El Karoui qui sera à votre place jeudi prochain, qui est aussi membre du comité scientifique. Vous mettez l'accent sur l'environnement aujourd'hui, oui, parce que c'est important pour vous. Est-ce que vous considérez que c'est aussi important pour la partie algérienne au moment où les autorités algériennes annoncent officiellement qu'ils vont exploiter le gaz de schiste? Je ne commenterai pas évidemment la décision d'exploiter le gaz de schiste. Nous, en France, on a dit non. On ne veut pas le gaz de schiste parce qu'on a posé la question de la fracturation hydraulique. Mais pourquoi? L'Algérie, c'est la troisième réserve mondiale. C'est aussi, c'est à mon avis, certainement un des plus grands bassins solaires du monde. À terme, je veux dire, ça pose aussi la question, effectivement, de l'utilisation de ces exceptionnelles capacités en termes d'énergie solaire, de transformation de l'énergie solaire. Et lorsque la question du stockage et du transport d'électricité aura été résolue, c'est effectivement un immense avantage pour ce pays. Non, pourquoi c'est important? Parce que l'Afrique, c'est majeur. Compte tenu effectivement du poids démographique de l'Afrique, compte tenu de ce que le réchauffement climatique frappe beaucoup ce continent, avec peut-être une certaine injustice, parce que c'est un pays très faiblement émetteur de CO2, très peu, bon, mais enfin, il est beaucoup frappé. Écoutez, il y a une étude qui est parue il y a peu longtemps, disant notamment que la fonte des glaces de l'Arctique allait projeter des masses considérables d'eau douce dans l'océan Atlantique et que notamment celle-ci allait modifier le taux de salaison en bordure de l'Afrique de l'Ouest. À partir de là, la mousson perturbée, la chaleur, la sécheresse, ce qui veut dire la pauvreté, ce qui veut dire un exode rural, et vous verrez bien que l'on peut avoir des millions de personnes du Sahel remontant vers le nord, c'est-à-dire chez vous, etc. Donc sauver l'Afrique, sédentariser dans le meilleur sens du terme, faire en sorte qu'elle ait les meilleures capacités technologiques et lutter contre le réchauffement climatique, c'est majeur pour les deux continents, parce que l'immigration, c'est un grand problème et c'est susceptible de bouleverser les systèmes politiques. Nos systèmes de droit sont capables d'être bouleversés ensuite parce qu'il y aura de la fureur, de la passion, du rejet, de la xénophobie. Faisons attention à ça. L'Algérie et la France doivent être toujours plus proches, toujours plus fortes et agir parce qu'elles sont les deux concernées. Et comme c'est deux grands pays sur deux continents, elles peuvent jouer un rôle aussi important pour les deux continents que la France et l'Allemagne pour l'Europe. On essaye de construire un pont entre la France et l'Algérie. En même temps, le Maghreb, l'union du Maghreb arabe est bloquée aujourd'hui. Il y a quasiment un mur entre l'Algérie et le Maroc. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction dans cette volonté de s'ouvrir vers les autres, mais pas entre nous, Jean-Pierre Mignard? Moi, je ne peux que souhaiter l'unité maghrébine. Je travaille aussi au Maroc, je travaille beaucoup avec les Tunisiens. J'ai été avocat, d'ailleurs, dans les moments de la révolution tunisienne. Donc, je connais bien. Je souhaite, en effet, que ces questions-là soient résolues, parce que face à ces enjeux qui sont totalement nouveaux et qui sont bouleversants, nous avons besoin d'un Maghreb uni. C'est une évidence. Et nous, Français, qui partageons tellement de liens avec le Maghreb, qui sont y compris des liens, je vous en parlais tout à l'heure, familiaux, des liens de parenté entre la France et l'Algérie, ce n'est pas seulement une géographie, une histoire, c'est aussi une vie de famille. C'est aussi une parenté entre les deux pays. Bon, eh bien, écoutez, tirons-en les conséquences et regardons devant. Je vous fais réagir sur l'actualité du moment. Oui. Audrey Azoulay vient d'être élue directrice générale de l'UNESCO. Elle est française. Une réaction, c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Elle a battu le candidat du Qatar avec deux voix. Alors, ce qui veut dire que c'est très serré, ce qui veut dire que l'Assemblée était très divisée. Donc, elle a un premier travail. Alors, en tant que Français, je m'en réjouis. Deuxième chose, elle a un travail, mais c'est une femme de culture, elle était ministre de la Culture. Elle a effectivement un travail de rassemblement des États à l'intérieur de l'UNESCO qui sont très troublés par la défection américaine et israélienne. Peut-être d'ailleurs a-t-elle bénéficié du fait qu'un certain nombre d'États ont préféré voter pour une Française, parce que ça permettait de conserver des liens avec le monde démocratique occidental au moment où les États-Unis partaient. Et puis, Audrey Azoulay a une très belle carte de travail devant elle sur l'unité du Maghreb. Elle est bien placée pour ça. Et il faudra en effet faire la démonstration. Moi, j'ai confiance. Les relations franco-algériennes ont toujours été compliquées. Vous le savez, Jean-Pierre Mignard, on essaie toujours de c'est parler... la famille, ça. C'est ce que vous voulez, c'est la famille. On parle de ce qui marche au lieu de ce qui ne marche pas. Comment vous jugez l'évolution de cette relation depuis l'élection d'Emmanuel Macron en mai dernier? Est-ce que c'est sur la bonne voie ou pas? En tout cas,
la France a un président qui est totalement disponible vis-à-vis de la promotion et de la qualité de la relation franco-algérienne. Cette relation, elle est capitale. C'est Hollande qui disait, d'ailleurs, lorsqu'il était venu, je l'avais accompagné en 2012 ici, la France et l'Allemagne, la France et l'Algérie, c'est totalement vrai pour toutes les raisons que j'indiquais. Donc, il y a une exceptionnelle disponibilité du président français et de la France vis-à-vis de l'Algérie. Vous savez, encore une fois, on vit ensemble. Vous venez en France, vous-même, vous parlez un excellent français, merci, vous faites l'honneur de parler notre langue. Vous voyez bien... C'est aussi la nôtre. Hein ? C'est aussi la nôtre. Oui, avec le tamazir et l'arabe. Donc, en plus, vous parlez beaucoup plus de langues que nous. Bon, enfin, c'est tant mieux, ça veut dire que vous êtes doués. Mais bon, en tout cas, ça veut dire qu'on partage bien des choses ensemble. Et que, vous voyez, ce serait... Si j'étais directeur des ressources humaines, je dis, mais enfin, ces deux pays doivent travailler ensemble, et ces deux populations doivent travailler ensemble, sinon, quel échec ! Dernière question, Jean-Pierre Mignard. Pensez-vous que la colonisation est un crime contre l'humanité, comme l'a déclaré Emmanuel Macron en février dernier à Alger ? Je vous vois venir. Alors, je dirais, c'est un crime contre notre humanité. Deuxièmement, je suis juriste, je peux même vous suivre, parce que je pense que dans une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies à propos de l'Angola et du Portugal, je me demande si elle n'était pas allée jusque-là. Moi, je vais vous dire, je vais vous dire ce que je pense. J'en finis, ce ne sera pas langue de bois. Parce que moi, d'abord, je ne me sens pas responsable. Je n'étais pas en âge de... Ça, c'est la réponse à la Sarkozy. Non, il avait dit ça aussi, Sarkozy, il n'a pas fait ce que j'ai fait, parce que moi, j'étais jeune étudiant au Parti Socialiste Unifié avec Michel Rocard, et un de mes premiers actes militants, c'était de distribuer des tracts pour soutenir la politique de nationalisation du pétrole algérien. Donc, sur ce point, déjà, je déroge l'avis de Nicolas Sarkozy. Ce que je pense, je vais vous dire une chose. La France libre, c'est notre grande histoire. La France libre, c'était une France africaine. Et je le dis tout spécialement en Algérie, j'ai pas envie de dire pardon, j'ai envie de dire merci. Merci. À mon tour de vous le dire, Jean-Pierre Mignard, vous êtes président de Gistre, homme politique, essayiste et avocat français. Merci d'avoir été notre invité. Prochaine édition, ce sera à 20h30.